T'as pas fait chier de voir ton équipe se faire battre hier sur une erreur d'arbitrage? Mais qu'est-ce que je te dis? C'est l'arbitre qui fait la loi sur le terrain. Bah tu défends même pas ton équipe de merde? Oui bon, quand t'aimes le foot, tu respectes les règles. Toi tu respectes rien. Hein. Dove sono tuoi valori? Tu parles de respect? C'est à moi que tu le dois ce putain de respect. Eh, qui t'a fait devenir un homme? Ouais bon, pardon, mais sans moi, tu lâcherais encore des culs dans des bars. Allez, c'est l'heure. Faut y aller, Bambino. C'est bon, t'as le plan en tête? Ouais. On va là-bas, je me mets en retrait, et toi tu t'occupes de la transaction. Mmh. Au fait, t'as entendu parler de la preuve sur l'identité du tueur de Don Fortunato? Non. Quel genre de preuve? Ah non, j'en sais rien. C'est juste que je suis sûr qu'ils ont l'info. Tu sais qu'il y aurait eu les palais de tuer le Big Boss? Qu'est-ce que j'en sache? Écoute, raison de plus pour ça, je vais tranquille, ok? De toute façon, tout le monde est à cran hein, depuis, alors. Écoute, ceux avec qui on va traiter étaient très proches de Don Fortunato. Alors t'as pas intérêt d'ouvrir devant eux. Capito? Hé hey, c'est vous pour la transaction? Hey, ferme ta gueule, stagiaire. $32,000, 8 kilos. T'as besoin d'une invitation pour y aller? Ouais, c'est toi qui as tué Don Fortunato. C'est un fils de pute de traître, on peut pas faire affaire avec lui. Tu fais taire ton chiot? Ou alors c'est moi qui m'en charge? T'es là depuis quelques jours et tu te permets d'insulter quelqu'un avec qui je travaille depuis plus de 3 ans. Montre un peu plus de respect. T'es qu'un putain de stagiaire. Ah ouais? Bah expliquez-moi ça alors. Allez-y! Sur cette photo. Te fous pas de ma gueule. On devrait que Don Fortunato le jour de sa mort. Je trouve ça un peu gros. Et moi je trouve ça un peu petit de ta part de m'accuser de ce crime. Putain, mais t'es bien placé pour savoir tout ce que j'ai perdu ce jour-là. Mais qui c'est qui vend de la cam à tous les bobos de Bordeaux maintenant? Je pensais pouvoir faire confiance depuis tout ce temps. Mais en fait, je n'ai affaire qu'à un putain invisible. Putain, mais butez-le! Qui crève ce... Putain, mais depuis quand on accorde de l'importance au racontard d'un nabo dans son genre? Pourquoi ça te dérange autant? T'as quelque chose à te reprocher?
Donne-moi une bonne raison de pas te descendre maintenant. J'étais en rendez-vous d'affaires avec lui. Quelque chose de personnel, donc rien qui vous regarde. Bon, si t'as rien d'autre à dire. Putain, il a été tué avec un 9 mm. T'es bien informé, toi, pour un petit porteur de mallette. J'ai cru entendre ça quelque part. Il n'y a que la police qui a eu accès au corps. Personne ne sait avec quel type d'arme il a été tué. Putain, mais c'est pas possible. Comment tu peux savoir ça? Pourtant, tu savais que j'étais pour l'arbitre.